Aujourd'hui, on commence la semaine du cinéma espagnol contemporain. C'est un projet, un programme et, qu'on fait tous les années à la fin de l'année pour montrer un échantillon des productions espagnoles cinématographiques les plus récentes. Mais étant donné les grands succès de la série de télévision, et La Casa de Papel, la maison de papier, on a pensé que c'était une bonne idée de commencer la semaine avec une conférence de les principaux scénaristes de la série. C'est culture espagnole contemporaine, et c'est aussi un produit qui est en train de montrer comme le monde change. Javier Gómez, le scénariste, nous a dit que c'est une série qui montre la globalisation actuelle. Normalement, c'était les États-Unis qui commandaient et ce qui était montré aux États-Unis après était un succès dans le monde. Ce n'est pas le cas. C'est une série produite en Espagne qui n'était pas un grand succès en Espagne, il faut le dire. Il pensait, le créateur, qu'il avait raté cette série, mais qui a eu une importance énorme dans d'autres pays du monde. Par exemple, pays comme la Turquie ou l'Amérique latine, et qui a fait que Netflix, surtout ça c'est très important, Netflix, qui c'était une compagnie des États-Unis, a commencé à sortir le monde, et maintenant, grâce à la série, il y a le même spectateur à l'Amérique latine qu'aux États-Unis. Ça montre que les périphéries, les pays périphériques, ont beaucoup à dire dans ce monde globalisé. Et pour nous, c'est un produit espagnol, 100%, et en espagnol. Et ça montre aussi que l'espagnol, comme la deuxième langue internationale, a un potentiel énorme. C'est pour cela qu'on dit notre slogan, c'est l'espagnol une langue de futur. Et voilà, et on a vu surtout ce qui nous a impressionné, c'est le succès au Maroc, même beaucoup plus qu'à l'Espagne. Je vais raconter une anecdote. Et l'autre jour, quand je suis sorti à l'aéroport pour passer quelques jours de repos en Espagne, et normalement, quand on montre le passeport aux policiers, aux gens de la compagnie aérienne, et ils voient que c'est d'Espagne, ils demandent de Real ou de Barça, non? C'est la question typique. Non? Mais cette fois, le policier m'a dit, oh, l'Espagne, la Casa de Papel. Alors, ça montre comme les Marocains ont vraiment pris cette série. Absolument, absolument. Ça a surclassé Real Barça, c'est quelque chose d'inimaginable. Non? Et voilà, et ça montre l'importance qu'ont les pays comme les Maroc, pourquoi pas. Parce que maintenant, c'est la périphérie qui va dire au grand centre de production qui est important, qui est aimé par les spectateurs, un spectateur globalisé. Voilà. Hoy en la sala y de Marruecos por redes sociales, por lo que nosotros seguimos, nos llega muchísimo cariño respecto a la serie. A la gente le gusta mucho y eso nos hace muy felices porque además Marruecos es un país que a nosotros nos gusta, que sentimos muy cercano, que está al lado y nos encanta que la serie guste en Marruecos. Aujourd'hui, la constaté a la sala, pero también en las redes sociales, el amor de Marocán por la serie. Ça, c'est une constatation très claire. Et ça rendrait très heureux à toute l'équipe de la série parce que pour elle, le Maroc, c'est un pays très proche, près de l'Espagne dans tous les sens. Et c'est pour cela qu'ils sont très, très contents des grands succès de la série au Maroc. No te puedo avanzar nada de la siguiente temporada, lo siento mucho. Ni si es que sí, ni si es que no. Lo que te puedo decir es que hay partes de la serie que se han escrito aquí. O sea, yo hoy he escrito aquí. Ayer escribí aquí, pero no te puedo decir nada más. No podemos decir qué aparece o qué no. Pero cuando la veáis, habrá partes que se han escrito en Rabat. Il peut rien dire sur le futur de la série, c'est interdit, c'est normal, c'est logique. Mais c'est qu'il peut dire qu'il y a des morceaux
qui sont écrits ici au Maroc. Parce que, bon, il a écrit hier et même aujourd'hui, bon, des morceaux du futur de la série qui sont écrits ici à Rabat. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتي بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.